Salut, je suis Pitam Bongo, Pian Bongo à l'état civil. Je suis artiste musicien d'origine camerounaise. My Feeling, c'est mon tout dernier bébé musical. Pourquoi My Feeling? Parce que cet album, c'est en fait l'expression de mes sentiments. La vision du monde sous le prisme de ma pensée, l'expression de mes frustrations, mes joies, mes peines, et par ricochet, celle de mes concitoyens. C'est un album qui s'inscrit dans la catégorie même de la mondialisation. Au regard des différentes sonorités et des différents rythmes que cet album comporte. C'est un album de 8 titres que je vous conseille vivement. Quel que soit le poids de l'adversité, Debout est un appel au travail, un appel à l'abnégation. En fait, c'est un cri que je lance à la jeunesse africaine parce que le changement, le redressement de l'Afrique ne viendra que de nous et à travers le travail et l'abnégation. Nyangom, c'est en douala, signifie ma maman. Donc c'est une dédicace que je fais à ma mère. Je pense à ces moments de mon enfance où elle se donnait à cœur joie à trouver du pain quotidien pour nous. Et je regrette dans la même chanson de n'avoir pas été capable jusqu'à présent de le lui rendre correctement. Mais je dis aussi en passant que ma maman est comme mon poumon. Donc si quelqu'un touche, va me retrouver sur son chemin, quoi. Un peu, oui. Et ça se sait, hein. J'adore ma maman, donc voilà. On me dira, d'aucuns diraient que c'est naturel, mais en réalité, ma maman, c'est tout ce qui compte pour moi, quoi. Après ma famille directe, c'est-à-dire mes enfants et ma femme. Moulin Nioué, c'est l'orphelin. L'orphelin, parce que je suis passé par là. Très tôt, j'ai perdu mon père et je connais les frustrations qui viennent avec. Dans la société, on traite les orphelins comme si ils avaient demandé à être orphelins. Et dans cette chanson, je dis écoutez, je suis qu'un orphelin et je ne demande qu'à vivre et qu'à mener une vie normale. Ça ne sert à rien que vous moquiez de moi. Et voilà quoi. J'ai rien fait de mal, donc ne cherchez pas à me tuer. Aussi simple que ça. Donc c'est un cri de cœur que je lance. Aux uns aux autres pour un peu plus de respect vis-à-vis des orphelins. Et si Malandoua signifie, ça ne va pas. Et j'ai décrit un peu la situation du Cameroun et par ricochet la situation des pays africains avec le souci que nous avons, celui de la longévité au pouvoir, la difficulté de passer le témoin. Les changements multiples de constitution pour s'éterniser au pouvoir. Donc, c'est en fait de ça que je parle dans la chanson. Et je demande à ces politiciens, quand vous aurez tué tout le peuple, qui allez vous gouverner à la fin? Bon, il faut bien qu'il y ait des martyrs. Et mon coup de cœur, c'est Wenjo. Wenjo, ça signifie tu es méchant, mais dans le contexte de la chanson, c'est tu es méchante, parce qu'il s'agit en fait d'une histoire d'amour atypique. Il s'agit de l'histoire de ce jeune garçon qui, avec sa copine, connaissent des jours heureux, des moments de bonheur. Et malheureusement, le garçon s'en va en aventure à la recherche du bien-être pour sa destinée, lui. Et après quelques années
de débrouillardise et revient au pays pour retrouver sa destinée, mais malheureusement, celle-ci est déjà casée avec quelqu'un d'autre et mène une vie normale. Et ce gars, il se morfond, il pleure. Donc en fait, c'est ça, Wenjo. C'est une chanson qui a connu la participation de très grands artistes, tels que Montovaldo, tels que c'est les arrangements de Théboutagneux. Et voilà, beaucoup de musiciens de grands talents ici en Angleterre. Life is too short, la vie est courte. La vie est trop courte pour vivre triste. C'est en fait le message de la chanson. Aussi, à peine on est né, à peine la mort nous attend. Donc voilà, il faut profiter de la vie. C'est en fait un peu je suis un peu comment on dit ça, épicurien dans cette chanson là. J'exhorte les gens à profiter de la vie au maximum pendant qu'il est encore temps, quoi. Et aussi Dimbéa, n'oublie pas, c'est l'histoire de ce couple-là, qui au départ, la femme, a été l'objet de tous les désirs. Le monsieur a promis ciel et terre. Et à un moment donné, la femme n'a plus d'importance. Elle devient du papier hygiénique à la maison. Et l'homme s'en va avec d'autres femmes à cœur joie. Et à la femme de lui dit, écoute, tu m'avais promis ici au début de notre relation, maintenant tu es devenu autre chose. Néanmoins, quand tu vas avec tes prostituées, avec tes bordels, n'oublie pas mon amour pour toi, n'oublie pas que je t'aime et n'oublie pas que la maison est là pour toi. Voilà, bohème en fait, de façon simple, signifie adieu. C'est une chanson que j'ai fait à titre posthume, c'est un hommage à un grand artiste, Monsieur Auger Cottobas, qui était un artiste pétri de talent, mais qui nous a quittés très tôt. Je crois, très tôt même, avant d'avoir donné le maximum de ce qu'il avait à offrir, il est parti. Et je me suis senti très, très effondré à sa mort. Et voilà, j'ai écrit cette chanson-là. Et aujourd'hui, elle figure dans l'album. C'est Wala Bohème, une chanson que je vous conseille d'ailleurs. Ben, mes remerciements vont à l'endroit de Théboutagneux, Serge, qui a été mon mentor à partir du moment où je suis arrivé en Angleterre, qui m'a accompagné dans tous mes projets et qui va d'ailleurs continuer à le faire. Je remercie ensuite Aubin Sandio. Aubin Sandio qui a été l'arrangeur, qui a vraiment œuvré à la réalisation de l'album My Feeling. Je remercie Rémi Capocino, c'est un petit frère de nationalité congolaise qui m'accompagne dans tous mes projets ici, qui est toujours là quand j'ai besoin de lui. Mais au-devant de tout cela, je remercie le bon Dieu, parce qu'en réalité, si tout ça a été possible, c'est parce qu'il m'a permis d'être en vie, il m'a donné la santé, il m'a donné la force, il m'a donné l'inspiration, à lui la gloire. Et enfin, je remercie ma famille, ma femme et mes enfants qui me soutiennent tous les jours, qui sont là, même quand je suis au plus bas au niveau du moral, ils sont là pour me remonter, pour me prouver que j'ai de la valeur et que je peux faire de grandes choses. À tout cela, je dis merci. À ceux à qui ceux dont je ne peux pas prononcer le nom parce que la liste est loin d'être exhaustive, je dis tout simplement merci du fond du cœur, merci pour le soutien et le meilleur reste à venir. C'est ce qui sont gâteaux.
wenge walante. Wala somanie akatomas.